Bonjour, alors je vais vous montrer comment arriver à faire des pompes au sol. Le secret, c'est de commencer par faire des pompes au mur. Donc ça travaille les bras, ça travaille le gainage. Donc voilà, ça facilitera le passage au sol. Donc déjà, on trouve un mur. On va serrer les jambes, serrer les pieds. On va positionner ses mains en face de ses épaules, comme si on était au sol, donc ni trop large ni trop serré, donc vraiment largeur des épaules. Et le but, c'est que je puisse avoir les pieds bien à plat au sol, talons au sol. Donc je me positionne, je regarde, hein, je fais des essais avant de commencer. Voilà, il faut vraiment que je puisse être à plat, le front sur le mur, les épaules en face de mes mains. Voilà, donc là je suis bien positionnée, le dos bien droit, je cambre pas. Donc là je suis droite. Le zip, voilà, gainage du centre et on va pouvoir commencer. Donc je commence avec les coudes fléchis. Voilà. Je pose bien les mains, bien les poignets. Je descends un tout petit peu parce que je suis un petit peu haute. Et on y va. J'expire quand je pousse. J'inspire quand je reviens au mur. Donc, il ne faut pas partir avec les coudes qui sortent. Il faut vraiment, c'est ça qui est difficile en fait. Il faut vraiment que les coudes soient sous moi en fait. Il ne faut pas qu'on remonte comme ça. La difficulté des pompes, c'est qu'il faut que je remonte en restant les coudes en dessous de mon corps. Voilà. Et pas comme ça. Non, c'est ça qui est dur pour garder vraiment le gainage. Donc, on y va. Je me repositionne rapide. Et on y va. 10 pompes. J'expire. J'inspire quand je descends. J'expire quand je remonte. On y va. Et 10. Donc voilà, c'est un travail à faire régulier si on veut vraiment travailler ses bras. Et après, quand on aura compris le mouvement, qu'on aura un petit peu plus de force dans les bras, on pourra passer au sol avec beaucoup moins de difficulté. Je vous laisse tester.